Salut à tous, chers amis, ici Necros, le seul, l'unique. Et bienvenue sur ce 30e épisode de notre aventure sur Rage. Et lui, il commence sérieusement à me casser les couilles avant même que je commence, putain. On va me laisser parler à mes abonnés, bordel de merde. Bon, c'est pas croyable, ça. Il est où? Bam! Voilà! C'est comme ça qu'on fait. Eh bien, bon, on va faire la mission où on est censé aller sur la terre des chacals, des chacos, comme tu veux. Absolument rien à carrer. Bien. Nous y voici donc. Musique qui nous annonce clairement que ça va être épique. Bref. Tac, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors j'ai fait un petit tour juste avant pour acheter des munitions, pour vendre 2-3 saloperies et autres. Je l'ai fait en off parce que je me disais que c'était rien de bien intéressant pour vous à regarder, étant donné que je le fais dans chacun de mes épisodes. Voilà. Donc, ceci étant fait, on va pouvoir commencer tout de suite cette mission. Qu'est-ce qu'on est censé foutre en fait? Putain, c'est classe ici. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, qu'est-ce que je suis censé faire ici en fait? À vrai dire. Trouver le canal des chacals au nord-est, hein, machin. Après une petite heure, j'ai fait surface. Si les survivants sont trouvés sur les chacals en premier. Apportez-moi ce décrypteur et je pourrai lire le secteur caché de votre micro-disque. Très bien. Donc apparemment, ils ont chopé un décrypteur, ces bâtards. Bande de bâtards. Ouais. C'est pas que c'est pas accueillant, mais pas tellement quand même, hein. Entrez dans le canyon de Chacal. Et c'est parti, chers amis. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Oui, voilà, c'est un doute à dire. On est donc parti sur ce... Calme-toi, l'autre. C'est quoi ce mec? Ah, puis dès que c'est bien ce qui me semblait, en fait. C'est bien dans cette partie-là de la map que je disais, en fait, je sais pas si vous vous rappelez au tout début, mais vraiment au tout début de cette aventure, genre l'épisode 2 ou 3, je disais qu'il y avait des espèces de ballons dans les airs qu'on pouvait faire exploser. Et je n'y arrivais pas. Et en fait, c'est parce que c'est dans cette map-là. Vous allez voir de quoi je parle. Une carte collector, arbalète chacal. Très bien. J'y rejouerai au jeu de carte collector. Attends, parce que j'ai cru voir un truc en haut, là. Allez, monte, putain de salope! Merci. Ah, parce qu'il me semblait qu'il y avait du... fait le trick, là. Il va falloir que je trouve un moyen d'y aller. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais. Je peux monter par là, ou... Ah! Oh, de la Nocturnium, d'accord. Et du sulfétrite, ça fait plaisir. Hein. Très bien, bon bah voilà, ça commence pas trop mal, moi j'ai envie de te dire. Allez, on avance. On va se faire attaquer par toute une bande de salopards. Ah, il a rien eu le temps de voir. Il a rien eu le temps de voir venir. Cette hache qui est dissidente. Et qui disparaît. Jusque là, rien d'anormal. Oh, j'aurais bien besoin de mon sniper ici. Et forcément, je n'ai pas acheté de munitions. J'en ai 49, ce sera suffisant pour commencer. Ouais, j'avais bien fait de le garder celui-là. Ah non, mais je vous entendais gueuler. Mais non, mais lâche-le, Necros, ça sert à rien. Tu t'en sers jamais, machin. Mon cul, tiens, je m'en sers jamais. Tu es en train de gueuler, mec. J'ai rien à faire ce qu'on veut. Voilà, comme ça au moins je suis sûr qu'ils ont compris que je suis là. Pas d'autre là. Eh ben, si c'est pas malheureux tout ça. Ok, allez, avançons chers amis. En tout cas, un grand plaisir de vous retrouver sur cette aventure, sur ce 30e épisode. Déjà 30 épisodes, chers amis. C'est... Calmez-vous. Calme-toi, je te dis.
Ok. C'est parti, ça part en couille, ça fait plaisir, ça faisait longtemps. Oula. 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 T'en faut combien pour crever, toi? Putain, je vois rien. Voilà. Aïe. On est foutu dans, deux dans les couilles, je pense que tu t'en souviendras. Y'a pas moyen de zoomer plus? Qu'est-ce qu'il me fait, là? Ça sert à quoi de faire ça? Putain, c'est la première fois que je découvre que je peux baisser mon arme comme ça. Je cherche pas à comprendre. Aïe! Non mais c'est pas possible! Ah c'est vrai que j'ai l'amplificateur d'autorité d'équiper là-dedans. Je vais attendre que ça... Voilà. Mais vous avez fini de m'emmerder, bordel! Incroyable ça! Yalla, yalla, détends-toi mon gars. Genre le mec esquive mes balles à 500 mètres, tu sais. 500 mètres, j'abuse, mais bien sûr que j'abuse. C'est bon, détends-toi, je t'ai pas demandé de sortir ton décimètre pour savoir quelle distance il y a entre moi et les stockards. Non mais le mec, il s'excite là, tout de suite là. Il dit que j'abuse, machin, que j'exagère, nanani, naner. C'est bon, je vous ai rien demandé. Ouais, je parle tout seul, et alors? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas croyable ça. J'ai plus que 23 clous, ça m'emmerde ça. Bon apparemment j'ai activé un truc. Qu'est-ce que je suis censé avoir fait là? Qu'est-ce que je suis censé faire surtout? Je crois que c'était un mec. C'est qui me tire dessus là? Ah, ça vient de là. Mais il est pas mort lui? Voilà, tu m'en donneras de tes nouvelles. Oui, tu m'en donneras de tes nouvelles sans rien dire. D'accord, j'ai ouvert la porte. Ok. Pardon, pardon, pardon. Faut le temps que je m'y mette. Oh, 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 cette élimination sommaire. Ah, comment il a dû douiller sa race celui-là. Oh mais cette arme. Aïe, 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 vite, recharge, recharge, recharge. Aïe. On les couilles. La barre de fer. Eh merde. Oh l'enculé, il a esquivé, quoi. Voilà, ferme-la. Ferme-la, je te dis. C'est pareil pour toi, tu fermes ta gueule. Cette violence quand même. Voilà, c'est ces ballons là dont je parlais. Boum. Barbie gymnaste, tu repasseras. Oh la vache, cette violence quoi, sérieux. Culé. Moi aussi, j'ai esquivé les balles. Voilà, dans les couilles, ça t'apprendra le respect, connard. Y'en a pas d'autres. Eh bon. Je vais niquer toutes mes barres de fer sur eux, quoi. Mais les mecs, comment ils s'excitent? Ouais, j'aurais esquivé ça. Et ça, tu l'esquives? Pauvre merde. Ok. Oh putain, mais cette puissance, la puissance de cette arme quoi, sans déconner. Juste complètement énorme. Ça vient d'où? Ok, bon. On avance parce que là je suis en train de papillonner. Ah! Ah! Arrêtez de balancer les barils, bordel! Loupé! Je te louperai pas!
Voilà. Loupé. Voilà. Putain, non mais sans déconner quoi. Le massacre que je suis en train de faire, c'est juste complètement violent. Ok. Oui. C'est qu'il tire dessus là. Et toi? Voilà, ferme-la. Ah mais y'en a un là-haut aussi. Oh putain, t'as eu de la chatte. T'as eu de la chatte mon gars. C'est ça, rejoins-moi. Oh genre quoi, genre, mais genre, je suis déçu. Je suis déçu. Je suis déçu. Je pensais faire un truc épique et l'envoyer dans les airs, mais loupé. Pas grave. Mais détendez-vous. Je viens juste récupérer un disque, les mecs. Je viens en paix. Ouch. Voilà. Ouais, tu vas dire bonjour à ma tante Suzy. Putain de merde. Ça va pas, faut que je change d'arme. Détends-toi, mon... What? Voilà, ils sont en train... Voilà, ils sont en train de violer mon cadavre, là. J'aime pas trop ça. Ah! Ah, ça me titille le trou de balle. Ah! Voilà. Et on ferme sa gueule. Ouais, non mais toi, tu vas te détendre la moule, mon gars, je te le dis tout de suite. Tu te détends le steak. Voilà. C'est pas croyable, ça. Ces gens n'ont absolument aucun respect pour les touristes. Exactement. Je suis un touriste dans cette ville. Est-ce que vous comprenez, ça? Je viens visiter. Je viens comprendre votre patrimoine, vos traditions et autres. Et les mecs, voilà comment ils m'accueillent, quoi. Non, mais sans déconner. Ah, non, mais où est le monde? Moi, je vous le demande. N'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Cet objet. D'accord. C'est un ascenseur, ça, ou... Ah non, c'est juste une passerelle. Ok. Il y a un mec qui est juste là-haut, là, je vais... Apparemment, mes tirs traversent les draps sans faire de trou. C'est juste complètement magique. Amplificateur d'autorité! Je voudrais utiliser... Attends, waouh, putain, c'est classe. Loupé. Oula. Amplificateur. Même. Pour tous les petites d'armes, on a dit. Voilà. C'est la violence la plus totale. J'en ai absolument rien à foutre. Il reste 42 secondes. Je vais essayer d'en profiter maximum. Oh putain. Dépêche-toi. Dépêche-toi! Dépêche-toi, je te dis! Allez! 30 secondes, bordel de merde! J'ai acheté une amélioration, c'est pas pour qu'elle me dure. Juste sur deux tocards. Dépêche-toi, maudit ascenseur de mes couilles. Go, 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 go! En même temps, si je mets toi à côté, on va pas le faire. Voilà. Ça c'est fait. Je ramasse les 2-3 saloperies qui traînent. Le carreau. Ok, 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 ok. Bon. Trêve de plaisanterie. Est-ce qu'ils se prennent dans la gueule les mecs quand même? C'est la violence. La violence, c'est la gratuité. Une carte collecteur, ben non, paquet explosif. Oh. Un grippin. Vous êtes sérieux? Qu'est-ce que tu veux que je foute d'un grippin? Wow, calmos. Tour au wingstick! Rien à foutre! C'est le massacre du wingstick!
Oh, mais va te faire mettre, tiens. Voilà. Laisse-moi piller tes connards. Tes connards. Oui, j'ai dit tes connards. Tiens, bouffe. Et toi et tout. Voilà. J'en profite pour vous piller parce que j'ai absolument aucun respect envers vous. Ah non, mais les mecs, ils m'attaquent aussi. Forcément, qu'est-ce que tu veux que j'ai un minimum de respect pour eux. Non, non. Je les fonce et puis c'est tout. Ah, la carré, moi. Tous des connards, de toute façon. Les mecs, ils ont rien demandé, tu sais. Bah, y'a personne. C'est bon, ils vont tous pop d'un coup, voilà. Genre, il est pas mort, quoi. Oh, par contre, je l'ai... Ah oui, je l'ai bien blessé. Ah, c'est bien fait, ça. J'ai jamais fait gaffe que c'était à ce point-là. Voilà. Ils sont costauds, les mecs. Deux balles, quand même, qu'il leur en faut des charges fusils moléculaires de mes couilles, là. J'ai envie de changer de gameplay un petit peu, en fait. Ouh, putain, oui, tiens, ça fait longtemps, ça. Je l'ai quasiment jamais utilisé, d'ailleurs. Ça, je m'en fous. Je suis à pompe, machin. Ça, du coup, j'ai tout revendu. Il me reste juste là. Tiens, je vais l'utiliser, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Par contre, excusez-moi. Deux petites secondes. Voilà, donc, excusez-moi, bon un coup. Ok, allez, on reprend. Donc, disais, je vais vous montrer juste la Maxi Bastos, j'en ai qu'une seule, donc bon, écoutez, on va juste essayer de pas la foutre en l'air, quoi, ce serait ballot. Me connaissant, c'est pas impossible que je la foute en l'air, justement. Ok, des tocards, j'ai demandé des tocards, s'il vous plaît. Des tocards de chacal. D'accord, c'était de la merde. Voilà, ça c'est efficace. Ouais, c'est pas comparable, je sais, mais bon. Défibrillateur chargé, ça c'est la bonne nouvelle. Et donc du coup, on va y aller en mode bourrin. Bam, rien à foutre. Tous les déglinguer parce que j'ai aucun respect envers eux. J'ai rien à carrer, je connais pas vos religions, je connais pas vos traditions. Je ne connais rien de votre saloperie de peuple, mais j'ai juste envie d'une chose, l'exterminer jusqu'au dernier. Voilà. D'accord. C'est moi ou c'est pas la première fois que je fais ce genre de merde là? Putain, je vais crever là par contre. Voilà, attends, parce que j'ai oublié de rééquiper mes kits de soins du coup. Tac, 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 tac. J'en ai combien? 7? Ça va bien. Non, c'est pas là que je les équipe, bordel. Ils sont où? Ils sont là. À la place des grenades. Parce que les grenades, je ne m'en servirai point. Hop là, voilà! Oh, la même pour toi, enculé. Aïe, 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 aïe. Putain, mais ils font mal, ces bâtards, là. C'est incroyable, ça. Bon, du coup, j'ai pas du tout la bonne arme. Allez, vous fermez, bordel. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprendrez ça un jour? Tous crevés dans l'atroce souffrance. C'est comme ça que doit vivre votre peuple. Putain, ça fait très très mal par contre leur truc là. Kit de voiture, machin, ok. Bibiche! Attaque-moi ces connards! J'espère qu'elle peut se déplacer dans cet environnement, a priori, ouais. Ah, marche! Défonce-les! Mort n'importe quoi, mort comme une grosse merde qu'il était. Tac tac tac, je vais fouiller un petit peu les baraques. Apparemment, je peux pas y aller. Allez, bordel! Ah, c'est Bibiche qui m'emmerde! Sors de là!
Sors de là, bordel, c'est incroyable. Bibi, je t'ai pas... Putain, je t'ai pas invoqué pour que tu me fasses chier. Je t'ai invoqué pour que tu butes mes ennemis. Non, mais c'est une blague, quoi. Allez! Allez, bouge, bordel de merde. C'est incroyable, ça. Tiens, on va te faire foutre. Tant pis pour Bibi. Ils sont où? Il y a plein de petites baraques, mais c'est dommage, on peut pas les fouiller. Tac, 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 ok, ça c'est bon. Y'a plus personne, là. Hey, j'extermine absolument tout le monde, j'entends encore un connard. Ah, le voilà! Le voilà! Il était là, le cochon. J'ai déjà fouillé? Je sais pas. J'imagine que c'est un bug, là, je... Je peux pas la ramasser leur balette, c'est dommage. Tac tac tac. Bien le bonjour. Excusez-moi, je ne fais que passer. Je ne fais que passer. Je viens juste piller lamentablement toutes vos habitations. Wow. Oh putain, mais crève, bordel! C'est incroyable, ça. Ah, les mecs, ils ont pas envie de crever. Non, mais non. Ouais, je les comprends, quelque part, mais bon, en même temps, c'est leur destin, ils l'ont accepté. Alors, en même temps, ils ont pas trop le choix, tu me diras. Ça, c'est la sortie, d'accord. Et effectivement, il y a une arche ici, d'accord. Putain. Le dernier rempart contre l'extinction de l'humanité. Ok. Tu crois que je suis en train de faire quoi, là? Tu crois que je vais contre ou pour l'extinction de l'humanité, là? Je suis en train de tous les déglinguer, les mecs? Allez, monte-moi ces putains de marches, bordel d'abruti, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Bon, apparemment, c'est pas par là qu'il faut que j'aille. Oh, faut que je me retrouve tous les chemins, vous êtes sérieux? Faut que je me retoupe tout le chemin, exactement, c'est ce que j'ai dit. Ah non, c'est fermé, bah alors. Y'a un bug dans la matrice là ou c'est quoi l'histoire? Ok. Ah putain, mais d'accord, faut le savoir, amuse-toi. Équipement de l'arche. Parfait. Bon, et du coup, je peux aller là ou pas encore? Ah bah voilà. C'est de la merde. Micros qui pète un câble, tu sais. Oui. On est à Disneyland, les mecs. C'est énorme. Et j'aurais pas pu prendre ça depuis le début, en fait. Je crois pas que ça aurait été plus rapide. Ouais, je pense quand même que ça aurait été plus rapide. Hein. Après, je dis ça, je dis rien, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Juste comme ça. Maka. D'autres questions?
Bien. J'ai absolument plus aucune balle de munitions de l'autorité. Très bien. Enfin, très bien. Non, pas tellement, à vrai dire. Bon, ben voilà. Ça s'est plutôt bien passé, moi, je dis. Allez, on va aller rendre cette mission. Et je pense qu'on s'arrêtera là pour cet épisode. Putain, ça tourne pas trop mal, là. Ça tourne pas trop mal. Les trois épisodes que je viens de tourner, là, ça a été une mission, un épisode. C'est bien. C'est une bonne... comment on appelle ça? Un bon format. Allez, mange-toi le cul, merci. Voilà. Apportez le décrypteur à Lassar. Territoire des chacals, de la merde. Quand on en faisait toute une histoire. Chaque fois que je croisais un habitant, il me disait ah, « va pas dans le territoire des chacals, gros !» Mais non! Alors le territoire chacal, gros! T'es malade! C'est des fous, les mecs, là-bas! Tu vas te faire défoncer! Pff. Tu dis ça parce que tu me connaissais pas, l'ami. Bon, y'a rien d'autre à faire ici, de toute façon. On se casse. On se casse, on se casse, on se casse. Voilà! Y'a quoi, là-bas? Aïe, oula, 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 oula. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, oh, c'est un truc de l'autorité, ça. Ouais, c'est carrément un truc de l'autorité, ça. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre ici, eux? Ouh. Astéris. D'accord. Oh, il y en a une autre, là. Je sais pas du tout à quoi ça me sert, ça. Allez, ramasse-la! Merci. A priori, il n'y en a pas d'autres. Il y a un petit chemin ici. Ah, voilà. Ok, très bien. Très bien, très bien, très bien. Donc, a priori, je ne peux toujours pas atteindre cette partie-là de la map. Allez, on rentre. On rentre à la maison. À la mémé. À la jonjon. Ah, mais va te faire mettre, toi, putain! Mais genre, le mec, il esquive tout ce que je balance à la gueule. Crève! Merci. Ah! Putain, je me suis arrêté depuis l'attente. Oh là, oh là, oh là, oh là. Oh là, oh là, on se détend, les gars, on se détend. Ah, les gars de l'autorité, ils ont fait main basse ici, apparemment. Putain. Ils se sont implantés absolument partout. Eh bien, bam. À la foutre. Je devrais pas faire ça parce qu'en plus du coup à chaque fois ça me coûte de la thune pour réparer la bagnole. Allez, on rend la mission. C'est à qui je dois la rendre du coup? Je sais même plus. Je sais même plus à qui je dois rendre cette mission. Absolument aucune idée. Pas grave, on s'en fout. Je voudrais bien voir ce qui est devenu Redstone. À mon avis, il s'est fait péter la gueule par les mecs de l'autorité. Tac. Non, c'est en bas. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Cette mission, c'était une mission de la résistance. C'est vrai. Tu lui fais quoi, lui? Avant la résistance, je travaillais pour Cross dans la ville fantôme. Je suis parti quand j'ai compris que les nanotrites pouvaient peut-être sauver les mutants au lieu de les contrôler. D'après mes recherches, les nanotrites peuvent être reprogrammés pour effectuer certaines fonctions neurologiques primaires. Si c'est vraiment possible et si elles sont injectées aux mutants, nous pourrions peut-être inverser la mutation. Le capitaine Marshall m'a permis d'établir un laboratoire ici pour poursuivre mes recherches. D'accord. Ça en reste... Putain, mais tu mets même pas de gants? D'accord, donc l'autre, elle a même... Non, mais elle a pas peur de se faire infecter, quoi. Putain. Oh, les gars. Oh, je travaille dans les conditions, c'est incroyable. Toi, t'en as rien à foutre de ce que je vais te dire, c'est toi, Lassar. Je t'ai ramené... Excellent travail. Mon disque. Je vais analyser ces données tout de suite. Enfin, c'est pas un disque que je lui ai ramené, c'est un décrypteur. Alors... Capitaine, regardez-moi ça. C'est incroyable.
Je ne te le fais pas dire. Putain, c'est effectivement, une map du monde. C'est sans aucun doute la clé de la victoire. C'est-à-dire ? L'emplacement, les codes, oh, et l'heure d'émergence de toutes les arches enterrées sont ici. Oh ! Ces données ne sont rien de moins qu'une seconde chance pour la civilisation. Peut-être la dernière. Avec ça, nous avons enfin une chance contre l'autorité. Les codes de votre micro-disque nous permettront de libérer les arches qu'elle garde emprisonnées sous terre. Intéressant. Nous essayons depuis des années de faire entrer quelqu'un dans la citadelle, dans le cœur de la bête. Mais nous n'avons jamais pu porter un coup fatal. Jusqu'à aujourd'hui. S'il y a un futur, il commence ici. La guerre est déclarée. Yeah. Avant tout, nous devons accéder aux terres de l'Est. Ce qui veut dire qu'il faut détruire le pont de sécurité de l'autorité. Allez voir Portman. Il a déjà préparé un plan. Et la guerre est déclarée parce qu'elle l'était pas jusqu'à maintenant. Après tous les mecs que j'ai butés, tous les soldats de l'autorité que j'ai butés pour venir te sauver, tu crois pas qu'à ce moment précis j'ai déclaré la guerre à l'autorité ? Non ? Je sais pas, hein, après. Non ? Bon, écoute, ça y est. On va enfin attaquer l'autorité. Ça fait longtemps que j'attends ça. T'es prêt ? Le mec, il a un tank de tatoué sur la poitrine, quoi. Non, mais sans déconner, plus badass, tu fais pas, je crois. Eh, non, mais je veux dire, ça a rien à dire, ça. Le mec, il a un tank. En plus, c'est moche, quoi. Il est trop mal fait, le truc. C'est un vieux tank. T'as l'impression qu'il s'est fait le tatouage lui-même quand il avait 50. Oh putain, mais ça veut rien dire, ce mec. C'est n'importe quoi. Pour traverser le pont et accéder aux terres de l'Est, il faut détruire le générateur qui alimente les défenses. Le truc, c'est que tu devras descendre dans le ravin et remonter par l'ascenseur pour atteindre le pont. Pas facile, mais une fois de l'autre côté, t'auras aucun mal à dégommer le générateur. Je te donnerai les charges explosives. Il suffit que tu réussisses à descendre dans le ravin, c'est compris ? Ok, libère le pont pour accéder à la citadelle. Très bien. Ouais, c'est bien ce que je disais, on arrive vraiment à la fin du jeu là. Parce que je me rappelle de ça, en fait, on va devoir faire péter le pont pour pouvoir accéder à la citadelle. La citadelle étant le point central de l'autorité, hein, vraiment, c'est sa plus grosse faiblesse, on va dire, c'est son point faible. Enfin, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre comme ça. C'est là. Comment on appelle ça ? Ouais, le point central de l'autorité, en fait, tout simplement. Voilà, le cœur, voilà. Et une fois qu'on arrivera à la citadelle, quand on attaquera la citadelle, car oui, on va l'attaquer, bon, c'est pas du spoil, hein, ça me paraît logique, ce sera la dernière mission du jeu. Voilà. Bien. L'autorité a établi un barrage près de l'entrée du ravin au nord. Une fois détruit, ils sauront que t'es là. Ne perds pas de temps. Descends dans le ravin et dépêche-toi d'atteindre le pont. Pas de souci. Autre chose ? Le pont est le seul moyen d'atteindre la citadelle. Ça, j'avais cru comprendre. Détruis le barrage au nord. Puis va jusqu'au pont le plus vite possible. Oui, ok, non, oui, tu m'as déjà dit ça. Ok, bon, bah très bien. Ouais, bah du coup, je disais qu'il me restait une dizaine d'épisodes. Mon avis, ça va se jouer un petit peu plus rapidement que prévu. Par contre, ouais, Redstone, du coup... Redstone, plus de nouvelles, quoi. Je vais essayer de voir s'il se fait toujours emmerder par l'autorité là-haut, à mon avis c'est le cas. Ouais, bon, il y en a plus qu'un par contre. Ah, tu m'emmerdes mon gars. Tu m'emmerdes, sincèrement, tu me casses les burnes, tu vois. La seule chose que j'ai envie de faire, c'est de te foutre un pack d'explosifs, un pack de C4 dans le cul, puis de te faire sauter la cervelle. Depuis le cul, exactement. Comme ça qu'on fait. Ah, et puis les mecs, ils ont investi les lieux, quoi. Ouais, non mais détends-toi, je vais juste retirer du fric, quoi. Là, c'est incroyable, les mecs, on peut rien faire. Que l'autorité. Qui c'est qui parle ? Ah, c'est toi qui parlais, excuse-moi. On n'a pas les moyens de les combattre ici. Trop de gens refuseraient ou en seraient incapables. Mais si jamais j'ai l'occasion de les affronter moi-même, je le ferai. Mais vous êtes sérieux, putain. Sans hésiter. Les mecs, ils sont 4 dans la base, quoi. Ils sont 4 dans la ville, ils sont 4 soldats, quoi. Là, vous êtes... Cette ville vous doit beaucoup, la ville. Bonne chance. Vous êtes une trentaine de survivants ici, putain, mais vous leur pétez la gueule quand vous voulez. Les armes, vous en avez en plus. Maintenant que Redstone a été mis sur la touche, faut qu'on décide tous dans quel camp on est. Oula. Si on commence à s'opposer à l'autorité, il pourrait raser la ville entière. Attends. Oula.
Ouh là là, ça sent la conspiration par là quand même. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais... Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Je sais que vous êtes avec, vous savez quoi. Beaucoup de gens sont de votre côté, vous savez. Faites attention à vous. Quand tu parles, ouvre les lèvres. C'est utile, ça aide. Bon, bah voilà, écoute... Ouais, je pinaille encore une fois. Il a rien à me dire, je m'en contrefous de toute façon. Je pinaille. Non, bah écoutez, c'est bon. J'ai fait ce que j'avais à faire, non? Non, j'ai pas rendu la... Si, j'ai rendu la mission. J'en ai une autre qui s'est débloquée, même. Et c'est tout ce que j'ai à faire pour l'instant. Et bah écoutez, tout ça, on fera ça dans le prochain épisode, chers amis. En tout cas, un grand merci à vous tous d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert si l'envie vous en dit. Ça me fera extrêmement plaisir. Salut. Et puis, bah écoutez, voilà. Voilà. Épisode 30 terminé. On attaquera donc l'épisode 31 la prochaine fois. Je vais juste voir ce qu'il va me dire, lui. Il y a quelques années, je travaillais sur les canalisations. Je m'en fous. Non, mais je m'en fous, en fait, de ta vie. Quoi. C'est juste, voilà, j'en ai rien à branler. Allez, je vous dis à la prochaine, chers amis. Merci à tous. Ciao. Et surtout, portez-vous bien, comme d'habitude. Allez, bye.